Looks like a classic, you know, between them and ourselves in the last years, but no, I don't have the feeling that this is where it is last season. We have to play first 90 minutes here, and here the games are long for many reasons. But at the same time, we cannot come here just to control the game. We have to go here to try to hurt them, to punish them, to try to let them feel we are here to score goals. Ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Pas si serein que ça, Pep Guardiola à quelques heures d'affronter le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des Champions à Santiago Bernabéu. Et ce sera sans Kyle Walker ni Nathan Ake, tous les deux forfaits. C'est pas ce qui inquiète le plus les Madrilènes. Eux sont focus sur Broad qui peut changer un match. Mais heureusement, Antonio Rudiger a un plan pour le stopper et nous l'a partagé tranquillou. You cannot control everything. That players like De Bruyne find the pass to Haaland, but yeah, you have to try to control them as best as possible so you can have it a bit much easier to control Haaland. Alors je vous pose la question du jour, Real Madrid contre Manchester City, quel est votre pronostic buteur, passeur, décisif? Vous nous dites tout et demain, on sélectionnera deux commentaires. Ce soir, il y a aussi Arsenal-Bayern et demain, ce sera au tour du PSG d'affronter le FC Barcelone. Tenez sur les 8 quarts de finalistes encore en lice, la moitié est entraînée par des coachs passés par le Barça, Pep, Xavi, Mikel Arteta et Luis Enrique. Forcément, ça a fait réagir Guardiola et il nous a sorti une déclaration d'amour pour son club de cœur, Pepouze. Le viajar a Alemania, ahora estar en Inglaterra, no soy el mismo cuando estaba en Barcelona. He aprendido muchísimo de las dificultades que cada liga te ponen y el tiempo, la experiencia te da esto, conocer más cosas. Pero la influencia del Barça en mí es todo, ha sido todo. Barça ceci, Barça cela, mais en France aussi, on a des talents. Kylian Mbappé, par exemple, c'est pas moi qui le dis, c'est son adversaire Joao Félix. Il est complètement monté dans le train des fans de Mbappé. C'est peut-être le meilleur attaquant du monde. J'aime sa façon de jouer. Il peut recevoir aussi bien le ballon dans les pieds ou prendre l'espace. Il est très rapide. En d'autres termes, il est très décisif et fait la différence dans n'importe quelle équipe dans laquelle il évolue. Restons en Europe parce que Sky Sports Germany nous a appris un délire. Ruben Amorim, actuel coach du Sporting, premier de Liga portugaise, aurait un accord de principe oral avec Liverpool. Le technicien de 39 ans qui intéresse aussi le Bayern Munich aurait choisi les Reds et devrait signer un contrat jusqu'en 2027 à en croire le média allemand. Resterait à tomber d'accord avec les Lisboètes et ce serait pas gagné d'avance, visiblement. Et hier justement, on vous demandait ce que vous penseriez de Thiago Motta cette fois sur le banc de la Juve. Mohamed, tu le vois comme peut-être le nouveau Xabi Alonso de Italie, carrément. Max, toi, tu pencherais plus pour l'arrivée de Zizou chez les Bianconeri, mais tu te rends à l'évidence, Motta serait le choix possible. Bah oui, ce serait pas mal. Sans transition, oh là là, c'était la catastrophe hier pour Cristiano Ronaldo en demi-finale de Supercoupe d'Arabie Saoudite. Contre Al Hilal, alors qu'il perdait 2-0 à la 87e, le gars a craqué, il s'est écharpé avec un adversaire et a été exclu après un deuxième carton jaune reçu. Il a donc levé directement son poing en direction de l'arbitre. Ça a chauffé, mais je vous rassure, il n'est pas que bagarreur, il est aussi frimeur, tout pour les caméras. Bon, n'empêche que son Al Nassr est éliminé de la Supercoupe, contrairement à Al Ittihad, où Karim Benzema a retrouvé le chemin des filets. Ça, c'est bon pour la confiance, encore plus quand il publie un post en marge de la rencontre et que tous ses anciens gars du Real Madrid le saucent. Et ouais, il est toujours aimé qu'à Benueve. Pendant ce temps-là, Neymar n'est toujours pas de retour pour nous jouer de mauvais tours après son opération à la cheville qui a eu lieu en novembre dernier et qui l'a empêché de jouer la moindre minute avec son club d'Al Hilal. Il poursuit sa rééducation et autant vous dire que c'est pas du gâteau. Eh, la Kings World Cup, ça avance bien et on n'en finit plus de voir des légendes y prendre part. On a eu Hazard avec la Belgique, Nasri pour la France, Ferdinand pour l'Angleterre et puis pour l'Italie, c'est Francesco Totti. Le Romain a été nommé capitaine de sa nation et lui, il se voit déjà au sommet. Io ho giocato in una squadra sola e sono campione del mondo. Tu hai giocato in una squadra sola, ma adesso saremo campioni del mondo insieme. Pour nous
bons autres compatriotes français, la sélection, elle se fera à Clairefontaine dimanche avec Amine et Samir Nasri. Ils choisiront 10 joueurs parmi 60 présélectionnés. C'est que ça devient sérieux, cette histoire de foot à 7. Avant de se quitter, J-10 avant l'événement organisé par l'application Footsider qui met en relation joueurs et clubs. Le retour du Scouting Day, c'est la 5e édition et ce sera le 19 avril à Paris. Plus d'une centaine de joueurs sont attendus pour se faire repérer par les recruteurs de toute l'Europe qui seront présents. Des représentants de clubs de Liga ou encore de Serie A seront notamment de la partie. Et ben on est impatients de voir tout ça. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain pour parler toujours Ligue des Champions avant PSG-Barça. Mais ce soir, c'est Real Madrid-Manchester City. Alors pour l'occasion, on se quitte avec Eduardo Camavinga. Long entretien à retrouver sur notre chaîne YouTube. À demain, ciao. Eduardo, merci de nous recevoir ici à Madrid. 2 ans et demi que vous êtes ici, vous vous sentez comme à la maison désormais? Bah déjà, je pense à partir du moment où j'ai mis les premiers pas ici, je me sentais déjà comme à la maison parce que je suis comme dans un rêve. Ça fait très longtemps que j'ai voulu jouer ici. Donc dès mes premiers pas ici, je me sentais déjà comme à la maison. Vous vous rendez compte de ce que ça fait de jouer au Real Madrid tous les jours? Je pense que je me rends pas forcément compte parce que je pense que c'est une chance tous les jours d'être ici. Donc non, je me rends pas compte forcément, mais je pense que c'est ce qui fait ma force. Je vis jour après jour et ça fait qu'aujourd'hui, bah, j'essaie de performer au maximum ici. Vous sentez une exigence, une pression, une atmosphère différente ici dans ce club? Après, moi, je suis pas forcément une personne qui a de la pression. Mais après, c'est sûr qu'en dehors, tu le remarques forcément, tu le ressens. Il y a tout le monde qui en parle, tout le monde regarde le Real Madrid. Mais c'est sûr que tu le ressens, comme par exemple, on fait un nul ou quoi que ce soit, s'il y a la bronca. Donc ouais, ça montre une forme d'exigence ici. Mais moi, je suis pas forcément une personne qui prête à la pression. Est-ce qu'on peut dire que votre vie, elle a changé depuis que vous êtes à Madrid? Bien sûr, bien sûr. Ouais, ce serait mentir de dire que non. En dehors des terrains, on me reconnaît forcément plus. Même ça a changé aussi la vie de mes parents, forcément, parce qu'ils ont changé de pays. Donc oui, ça a forcément changé ma vie. Et ça, c'est très important. Vous avez votre famille autour de vous, vos frères, vos sœurs. Sentir que tout le monde s'est adapté aussi à cette vie madrilène, comme vous, ça peut que vous faire plaisir. Ma sœur, ça me fait plaisir, parce qu'au début, c'était plutôt compliqué, parce qu'ils ne parlaient pas forcément la langue. Mes petites sœurs ne parlaient pas la langue. Pour se faire des nouveaux amis aussi, c'est compliqué. Après, pour le plus petit et la plus petite, pour eux, c'est facile. Mais après, pour ceux qui sont un peu plus âgés, c'était un peu plus compliqué. Et sûr que maintenant, le fait qu'ils soient contents ici, bah, ça me fait forcément plaisir. Et comment est-ce l'espagnol de Camavinga? Oh, mais l'espagnol, c'est bueno. C'est bueno pour l'avoir contigo cuando quieres. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.